Bonjour à tous, c'est le Dédalucard et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Jurassic Park tout simplement. Donc nous allons charger une partie parce que commencer l'épisode, je crois que ça me fait commencer à l'épisode 1, donc le début du jeu. Alors je vais d'abord répondre à un SMS et vous laisser de toute façon. Je pense pas que je puisse passer. Non, je ne peux pas passer, donc vous allez devoir vous retaper Eh si, c'est un mosasaur. La dernière fois, ouais, je sais plus si la dernière fois je l'avais fait remarquer, mais ils avaient parlé d'un mosasaur. Il n'y en a pas eu à Jurassic Park, hein, normalement, donc bon, ils ont peut-être un petit peu inventé à ce niveau-là, on verra bien. All clear. Ouais. Oui, donc les retrouvailles. Les retrouvailles, l'engueulade et le professeur qui va se barrer en mode ninja, quoi. J'espère vraiment que vous avez le temps de lire, en fait. Hein. Les sorties des tunnels par une trompe de service près d'un des circuits organisés. Heureusement, quelqu'un les a laissés tourner là-bas. Voilà, vous voyez, j'ai pas eu le temps de finir et pourtant, moi, je lis super vite. Hein. Il n'y a pas de tonalité, vous avez dit que le téléphone marcherait ici. Voilà. Bizarre, mon appareil de contrôle indiquait qu'ici les lignes principales marchaient, sauf que tout est contrôlé par les systèmes informatiques. Même les téléphones, si les batteries de secours se sont vidées pendant la coupure du courant, il faut sûrement relancer le système. Entre nous et le téléphone, donc on n'a plus le temps. Monsieur Yoder, je n'ai assez que vous ne pouvez plus qu'il y J'ai vraiment beaucoup de mal à lire, vous pouvez le voir vous-même que j'essaye. Alors bon, normalement je peux lire beaucoup plus vite, mais techniquement, voilà, regardez, Dios mio, ce que vous entendiez par Ground Zero. Voilà, quand vous lisez normalement, vous ne pouvez pas vraiment en mode calme, vous ne pouvez pas lire aussi vite que c'est écrit. Donc un petit point négatif pour le jeu quand même. Je suis en train de me rendre compte. Mais bon, il n'y a pas d'autres possibilités de, il n'y a pas d'option, il n'y a rien. Ouh, petit bug. Oh la vache! Ouais. Et, ah, il me semble que j'avais dit à la dernière vidéo, le tyrannosaure par exemple, ce n'est pas un dinosaure du Jurassique, hein, c'est un dinosaure du Crétacé. Tout simplement. Donc déjà rien que ça, rien que le T-Rex, normalement il n'est pas censé être là en fait. Si je me trompe pas, un dinosaure carnivore du Jurassique cousin du T-Rex, c'est l'Albertosaure. Mais encore une fois, je suis pas sûr. Donc ça, on voit le mosasaur. Quelque chose me dit qu'on va forcément se retrouver dans l'aquarium où il y a le mosasaur. 100% de chance que c'est ça. Je mets ma... à couper. Vous pouvez remplacer tout ce que vous voulez par... Y'a pas de problème. Alors, tu vas retrouver ta fille, alors tu vas tenir le coup, Jess. Ah, tu m'étonnes. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, ils sont passés à télé. Enfin, non, mais je dis n'importe quoi. Je les ai regardés de nouveau, les Jurassic Park. Je suis complètement débile. D'ailleurs, je me suis endormi devant Le Monde Perdu. Pour vous dire à quel point ce film, regardez, avec des pensées, tu vois. Il faut aussi. Vraiment pas étonnant. Un moustique n'est pas difficile de ressentir. J'ai la santé. Les trois fondeurs. Were these creatures all cloned like the dinosaurs? No, these aren't actually extinct animals, Jess. They live in the oceans today. They're called living fossils. Fossils vivants. They haven't evolved much from the ancient fossil forms discovered by paleontologists. Oh, is that a horseshoe crab? Ah oui, les limules, tout ça. Ah oui. To be honest, I don't really know all that much about sea fauna. Ouais, c'est une limule. Fauna. C'est une limule. C'est une limule, c'est sûr et certain, parce que le facehugger de Alien a été Il y a eu pas mal de gens qui ont dit que ça a été un peu pompé de là, en fait, de la limule. Qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Paléozoïque du plus ancien au plus récent. Cambrien, Ordovicien, Carbonifère.
s'en fout un peu. On peut parler. Alors, un petit peu ce qui s'est passé. Yeah. No. D'ailleurs, la traduction n'est pas super. Hein. Give me a break. Ça veut pas dire. Enfin, ça veut pas dire ce qu'il a dit. Hein. Ça, ça va. Oh LOL. Ah, en fait, il suffit de faire clic droit pour sortir des trucs. Oh putain, mais attendez, mais au début du jeu, je me galérais des fois. LOL. On va aller voir Yoder. Alors. Looks like they're using numbers from the dates of the Paleozoic era as daily key codes. Okay. So the plaque for the Paleozoic era preceded the oldest period at the display. Quoi? Attends, 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 attends. Qu'est-ce que tu me claques? I need Friday's code. On a besoin du code de vendredi. Ouais, c'est cool, le gars, mais j'ai rien compris à ce que... Bah, attendez, attendez, je vais voir un petit peu ce qui se passe là-bas. D'accord, 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 d'accord. Non. Devonian, named after Devonshire. Maybe. Non, non, non. J'ai pas choisi, mec. Tu te calmes un petit peu. Ça, c'est quoi? Oh, good. Instructions. Insert operator's key into insérer la clé dans la serrure. Captain Obvious. Captain Obvious. Quand tu n'es pas là, c'est tout. Je me souviens plus de la musique. Ah, fuck! Du coup, j'ai pas suivi ce qu'il a dit, mais c'est pas grave. Donc j'imagine que si on va là, on va se retrouver face à une porte qui est fermée. Oh, j'ai vraiment beaucoup de mal là. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? J'imagine que je peux parler à Nima. Tout va bien. Mon nid va se faire raser, connard. Is everything all right between you two? Mind your own business and get the elevator running. I wasn't talking to you. No more fighting. Things are bad enough as they are. Ouh. Agression. Violence. Code ne fonctionne pas, voici. Voir le manuel, le bureau des informations. Wouah, ce mini lag. Merde. Ouais, je peux faire ça, hein. Ouais, je comprends rien, là. Qu'est-ce que... Bon, attends, 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 attends. Non. Alors. On va revenir, là. C'est une putain d'énigme à la con. Je te jure, je vais galérer dessus. Tu sais, comme celle avec les ascenseurs ou je sais pas quoi. Alors, les instructions. Relis-moi les instructions. Doucement, s'il te plaît. Tourner la clé pour enclencher, la maintenir 3 secondes, tourner pour réinitialiser, saisir l'ancien code, puis le nouveau, enclencher, maintenir, réinitialiser, code. J'ai rien compris. Donc là, il y a ça. Donc, carbonifère, paléozoïque, cambrien. Paléozoïque, cambrien, canifère, machin chose. Ok. Donc on va là. Alors. Paléozoïque, Cambrien, Ordovicien, Silonien, Dévonicien et Carbonifère et Plumère. Ok. Donc attendez que je réfléchisse un petit peu. En gros, il faut qu'on arrive à trouver le code par en fait comment dire ça, il faut qu'on arrive à trouver le code grâce à ça là qui nous dit en gros quand est-ce que se sont passés tel ou tel R, et à partir de là on doit réussir à faire le code. Alors écoutez, moi je vais pas me casser les hein, je vais faire Pal Ordo Vi Silu
Devo. Carbo. Premium. Alors, je les écris, tout simplement. Parce que, voilà, à chaque fois que je, si jamais je les écris pas, normalement en mode roleplay on les écrit pas, hein. Oh, je suis fatigué, ça me donne. Oh, what is that mnemonic? Camels often sit down carefully. Perhaps they're. Cambrien, Ordovicien, alors. Cambrien. C'est pas dans l'ordre, je crois. So the plaque for the Paleozoic era preceded the oldest period at the display. Maybe the sequence doesn't start at the beginning of the week. Today, Saturday. I need Friday's coming. Aujourd'hui on est 20, donc il me faut le code de. Alors. Le code de vendredi. Donc je vais le retaper encore une fois. Donc on a les carbonifères. Donc là, Paléozoïque, Cambrien. Donc entre carbonifère et donc entre carbonifère et Paléozoïque. Ah oh, putain, c'est selon la date. Oh, fuck off. Ah, mais attends, là, je crois avoir deviné. Donc, Paléozoïque, Ordovena, Calvedan, nananana, donc, Permienne, non? This is not here. Sounds right. Ça sonne bien. Oh, lol. Ok, best guess. Bah, au pire, tu testes, tu fais pas chier. Vous savez quoi si j'en prends un autre? D'accord, donc il change. Donc, Paléozoïque, Cambrien, Ordovicien. Paléozoïque, Cambrien. Non, moi je suis sûr que c'était Permien ou je sais pas quoi là. Et puis si c'est pas ça, fuck off, hein, j'ai envie de dire. Il suffit juste de revenir quoi. Okay, best guess. Non, non, mais moi je suis quasi sûr que c'est ça. Ensuite on va là. On va essayer donc le code. Alors. Faut reset. Alors. Tu la tournes. Ça. 1, 2, 3. Voilà. Z et le code premium. Yeah! C'était trop impressionnant. Je suis trop fort, c'est génial. Je vais pouvoir me la péter comme un fou. On dirait vraiment des. Voilà quoi. What? Damn it, you careless idiot. What was that thing? Some kind of spy gear? Yeah, that's right. Top secret. In fact, if you tell me about it, I'll have to kill you. Oh, lol. You won't lay a finger on her. He's just kidding around. Everyone, I got the elevator working. Ah. About time. What's going on here? Nothing. We're all cool. Quand ça pétait les plombs, Yoder en fait. Yoder. Yoder ou Yoder? Yoder, je crois. Get over it. Let's go, we don't got all day. Il y a des tensions. Il y a l'agression là, il y a l'agression. Attention, the lagoon rotunda is spectacular. It's housed in a pressurized underwater
de la pression les oreilles, donc on est descendu. It's a risk of breathing pressurized air. What makes you the expert? I saw it in the movie. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Laisse-moi deviner, il y a le Mosasaur qui va faire blablabla. Obligé. Ah, j'en suis sûr et certain, il va percer les vitres et tout. Ouais, bah tu vois cet enclos là-bas, ça me fait un peu peur. Ah, voilà, Mosasaur, c'est obligé. Oula. Ok, essaye de parler au docteur Hammond. Tu vas avoir du mal, il doit être encore en hélicoptère, hein. Quoique. Il y a un code. Est-ce qu'elle l'a fermé? Ouais, faut pas être débile. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut visiter les environs. Oui, c'est pas mal, oui. C'est plutôt pratique quand on va bientôt mourir. Où s'installer là? Donc elle nous voit, elle a l'air désolée, mais... Les mecs étaient juste à côté, ils étaient en mode Poker Face, on n'a pas vu l'interphone. Elle veut pas que les bombes vont faire boum, hein, c'est simple. Mais de toute façon, techniquement, il n'y aura pas de bombardement puisque. Qu'est-ce qui se passe? Ah, elle a fermé les portes. Ouais, I have taken the remaining survivors hostage. There are four others, three Americans and one Costa Rican. I won't let them go unless the plans to bomb the island are completely rescinded. Vous n'avez pas le droit. Rights are just an ideological construct. Don't turn this into a philosophy debate. What rights do the dinosaurs have? Don't they have the right to survive? Gotta do something. Like what? We're stuck between two locked doors. We wouldn't be in this mess by killing If you don't offer me some sort of guarantee that the island will be preserved, I will have to escalate matters. This is lunacy. Comment qu'on va faire? The military on the phone. Hello? Hello? You want to see contamination of the global ecosystem? Non. Non, on ne libère pas le Mosasaur. On ne libère pas le Mosasaur. Holding us against our will to save the dinosaurs is only one poorly thought out solution. You're smarter than that, Laura.
I know, Jerry. I know what I'm doing. I clearly expressed the consequences of threatening this island. I scored a line in the sand that has been ignored and trampled over by InGen, by the government, and now I exercise my resolve. Laura? No. I'm going to free the Mosasaur. Are you mad? A land dinosaur paddling to the mainland is one thing, but you're talking about releasing an apex predator into over 70% of the global ecosystem. Only one. It can be recaptured. Before it eats the last of the humpbacks? Oh, don't be dramatic. Laura, don't. Ah, je vous le machin, quoi. Mosasaur. Ils ont fait comment pour le choper, le Mosasaur? Parce que l'ADN du Mosasaur, faut... pour l'avoir... C'est suspense, là. Oh, ça va chier. Bon allez, on va le faire sérieusement. Et tu pouvais pas faire ça avant. Tu vas lui mettre un coup de hache dans la tronche. Il a pas l'air content. Bon, bah ça, ça veut tout dire. Il est là et il a faim. Bah, c'est... Rage. Il a raison, Yoda. Hello, this is William Yoda, ID 4122. Put me through to Haskell. Yes, sir. The U.S. Embassy. Report as follows. The island is completely overrun. Alpha team killed in action, save one, myself. Bravo team killed in action. Two helicopters disabled. Two civilian casualties. I have access to a seaworthy boat and I will evacuate the remaining survivors. Yes, sir. The military may proceed. 90 minutes. D'accord. Understood, sir. Ah, attends, t'aurais pu négocier un... Enfin, je sais pas, moi. Qu'est-ce qu'il a fait? J'ai pas trop compris. Non, la vache. J'ai eu du mal. That's far enough. What? You're not coming with me. There's going to be a tragic accident, Jerry. What the fuck? We need finishing this without them. What? Et elle va dire non. What do you mean, no? We've got an agreement, remember? An agreement doesn't involve killing Jerry and Jess. What's going on? I'm sorry, Jerry. I was sent here to retrieve dinosaur embryos from India. I don't understand. You're a corporate spy? Oh, whoa, eh? Yes. Damn it, Nima. I trusted you. It's not like that. Yoda took a can. He wants it for himself. I'm trying to help you and Jess. What can? A can of shaving cream. It has a compartment to smuggle the embryos off the island. Nima. Blowing it. No, you are. Oscar put his faith in you. He may have been a devil, but he wore his sins on his own for everyone to see. You are just a mask with nothing behind it. No, you can't do this! Don't you care? Don't you care?
I'm gonna give you a sporty chance here. Billy, once wait. I let go of the spoon. Don't do this! Quoi? C'est une grenade quoi? Incendiaire? Non, c'était une... Ah, ça c'est con. Ouh, je crois qu'il s'est cogné la tête. Et si je l'avais pas fait, il se noyait ? Ils font comment? Ils ferment la porte peut-être. Ouais. Le seul moyen de passer, c'est de se donner au Mosasaur, tu sais. Il y a des combinaisons là. Is anybody hurt? Is everyone all right? J'ai même pas le temps de lire. Don't say that. Somebody might, somebody will come with us. Oh, Jerry, Yoder left us here. He'll take the boat and not tell anyone about us. Right. Maybe he won't take the boat. He has the canister. He knows where the boat is. He, doesn't have the canister. What? I'm sorry. I promise not to steal anymore. Okay, but... that one's a free. Look! Oh, great. Just great. Why is it flooding? Must be the damage to the door. We're losing air pressure. This place will flood right up to the highest hole in the roof. Damn it! Even if we could open the door against the pressure, the whole rotunda is flooded. There's nowhere to go. Wait a second. Maybe there still is a way out. If we swim. Swim? We won't make it 20 feet with that Mosasaur swimming around. Maybe. Look at that pipeline. It leads out of this lagoon. There are caves at the far end. D'accord. Alors excusez-moi de pas beaucoup parler, mais je laisse un peu, je suis en train de suivre en même temps. Faut savoir que moi ça je l'ai pas fait, donc je suis en train vraiment de découvrir moi aussi. Truc pour retenir. Come on. How could this be so complicated? I don't know thing one about diving. Dad, don't mess with the mixture valve. They're all preset. Since when do you know about diving? Remember those lessons you wouldn't let me take? Your mother opened my lessons. Actually, Steve bought me lessons. It was a secret. Mom's boyfriend. Yeah. If it's any consolation, I got grounded and Steve slept on the couch for a week. Ça c'est pas cool, ça, savoir que votre ex dort avec quelqu'un d'autre, c'est... Ça doit faire bien rager, tu vois, c'est... le truc ça t'énerve un peu. Bon, faut trouver un truc et apparemment... Peut-être regarder en l'air. Il n'y a rien à se dire. Are you sure about these sea caves? I used to swim this lagoon as a child. With the air tanks, it'll be easy. Famous last words. Evan? Nothing. How are you holding up, Jess? Okay, I guess. I'd feel a lot better if we weren't trapped in the bottom of the lagoon. Don't worry. We're going to get out of this. Ça, c'est vraiment le discours, t'inquiète pas, on va s'en sortir, parce qu'on est des soldats américains. C'est... T'adore Very Bad Blague. Ah, si on lui donne à manger, il voudra peut-être pas nous manger. Ah, c'est pas con. Du coup, on va pouvoir passer plus facilement.
Cette petite musique, on dirait que tout est perdu. What do we do? Yet I changed my mind. These are rebreathers and I've never actually used one. I'm not ready for this. Hey, you can do no. this. No, what if something goes wrong? I don't want to do this. I don't want anyone else. Mais de toute façon, c'est soit ça, soit tu crèves. Sweetheart, look at me. You were right about me. I don't give you the trust you deserve. Parce que si on lui dit qu'on l'aime très fort, ça veut dire que tout est perdu. Généralement, quand vous dites ça à une personne, alors vous êtes dans une situation délicate, c'est que c'est foutu, quoi. En tout cas, t'en auras vécu des aventures avec ton père. Right, well, I promise to signal you whenever you check on me, okay? Scared. But I know we'll make it with your help. Voilà, voilà, lui montrer qu'elle est comme nous, elle est notre égale et tout. Yeah, lui faire croire que l'idée vient d'elle, c'est bien joué. The tank is small, maybe 15 minutes of air. Is that enough? But it recycles the air you exhale. It should work for about 45 minutes. Try not to freak out. You use air faster. You might even mess up the CO2 scrubbers. That sounds bad. CO2 poisoning is totally bad. That's D'accord. It. This is mostly automated. It'll keep you like buoyant. Ouais. Ça, c'est des combinaisons de ouf, hein. What about mosasaurs? Probably them too. Turn around. Contre un mosasaur. Oh là là, oh là là, il a vraiment pas l'air rassuré, tu sais, du truc d'aller dans l'eau. D'ailleurs, il prend l'échelle alors que les autres ils sautent, tu sais. Alors, combien il y a de temps là? Parce que j'arrête pas de parler. C'est... Ouais, 30 minutes. Bon, une des vidéos de Jurassic Park, j'ai dit qu'elle passait, on va passer à un autre format. Donc. Ça peut pas bien se passer comme ça, il y a trop de poissons et tout, on sait pas ce qui va se passer. Donc, j'imagine que si jamais là je nage trop vite ou pas. Enfin, si jamais je me loupe, ça attire l'attention du mosasaur. Tout simplement. J'adore la musique. Musique de donjon de Jurassic Park. Musique de donjon de Super Mario. Qu'est-ce qui se passe? Oh fuck. Non, 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 t'excites pas. Putain, mais t'es conne ou quoi? Ah, c'est génial. Great! Poulet, feed, feedeuse, reporte. Ok. Oh, puis ça, y a pas photo. Tu peux pas t'enfuir hein, sous l'eau. Nous, les humains, on sait pas nager. Ouais. C'est vrai que le mosasaur c'était peut-être le truc le plus impressionnant du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Charge? Ou il est décidé là? Il est décidé. Sors.
NP bro. Ouf. Allez, t'es deg. Que ça avait quoi, c'était même plus grand normalement il me semble, c'était encore plus grand que ça hein, parce que là à mon avis pour les besoins du jeu ils l'ont fait un peu plus petit, mais c'est plus grand que ça, parce que ça pouvait avaler largement plus qu'un humain comme ça hein. Ah d'accord. Mais genre, tu sais, les dinosaures, ils te stalkent, quoi. Ils te captent même pas alors que tu nages. Oh. Like. Faut pas lui tirer dans... Faut lui tirer là. Ouais, parce qu'en fait lui tirer dessus ça sert à rien. Ça a dû lui faire mal quand même. C'est vrai que... En fait, moi j'ai vu le truc sur Mosasaur, j'ai tout de suite tiré et après je pensais qu'il fallait appuyer sur gauche. Non, non, en fait il faut choisir le bon choix quoi, parce que sinon vous êtes mort. Et c'est vrai que face à un Mosasaur, le petit harpon c'est trop le lol quoi. Là, je me suis dit, ouais, cet homme il va toucher l'œil, un truc comme ça, tu sais. Ah non, il a fait miam. Yeah. Du coup, on se retrouve à l'abri. C'est impeccable ça. Impeccable. À la lumière du jour. Elle brille. Pour une fois, ça sera pas le tyrannosaure. Enfin si, c'est le T-Rex il me semble à la fin. Il y a un T-Rex aussi ici, il me semble. Ouh. Well, fortune smiles upon the brave. Hey, Dad! I thought I'd worked everything out. Had accounted for our little beef here. Well played, Jess. Well played. But then, I was sure I had buried my ticket off this island at the bottom of the sea. But, lo and behold. Donc en fait, t'es un enfoiré, Yoda. C'est dommage parce que franchement, je t'aimais bien. Même si t'es méchant, en fait, finalement. What will your bosses think when they learn that you tried to murder us? They won't learn about it. Because one way or another, you're not gonna tell them. I just don't know how we got to this point. Ça sent le combat au couteau. Je sais pas, il a un couteau. Non, il a un fusil. Un pistolet. But now, I don't even have it. All that's left for me is that damn canister. It'll be safe. Non. Nice. Moi, je suis almost hurt. Du coup, j'ai presque mal. You looking for this? You know, things don't have to be this way. We'll kiss and make up and share this payout just like we planned. You talk too much, Yoder. Are we gonna fight or have boring conversation? Bouah! Hey, il se bat bien l'enfoiré. Come on, Nima. You're a merc just like me. You got bills to pay? Are these two really worth all this? C'est Mortal Kombat. It's not about the money anymore. I'm not gonna let you hurt these people. No more talk. Shut up and fight.
Je t'ai mis une bonne patate quand même, gars. Ah, tu triches un peu. Fais gaffe, il va prendre en otage un des autres, là, non? Moi, j'aurais fait ça, hein. Bien joué. Oh, dans le truc de 70 000 volts. Ça picote un peu, je pense. Allez, les deux, tining. Le couteau. Il faut le couteau. Oh la vache! Le temps qu'il leur faut! J'ai l'air d'être en légère avance. JTS! Go to Steve! Oh la vache, il est de loin lui. Is that the little thing we're fighting over? Oh, huh? What? That, what's that? I can have it? Why so generous all of a sudden? Oh la vache, impossible qu'à choper. Non, c'est le T-Rex. Ouais, mais maintenant. Ah, voilà, ouais. Au revoir, Yoder. C'est con, tu meurs bêtement. Franchement, c'est con. Mais bon, d'un côté, ça fait des bons retours dans la situation, quand même. Hop, y'en a plus. J'avais le choix. Bah, sauver la fille, hein, parce que sinon c'est contraire à nos... Comment dire ça? Depuis tout à l'heure on les défend et là... Donc là la bombe elle est morte. D'accord, j'avais à choisir, je pouvais choisir. Ça je le savais qu'à un moment je pouvais choisir. Mais je me souvenais plus à quel moment. Oh lol! Oh cette bifle! Raté! Ah, dans les conteneurs, c'est pas con, il peut pas y aller. Il va les dégager sur un truc. Un peu. Putain. Putain. Alors là. Ouf. La chance. Montez. Il va carrément nous écraser, tu sais.
nous focus. Tiens, focus. Oh, oh putain, il y en a du QTE là. Vas-y, à droite. Ça c'est con ça. Ouais. Oh lol. Oh, tout tombe dans ma chambre à cause de ça. Oh. Et je crois que c'est la fin du jeu. Oh putain, tout ce qui est tombé dans ma chambre, tellement j'ai fait des vibrations en appuyant comme un barbare sur ma touche. Oh. Qu'est-ce qui est tombé? Ah. Non, ça va, y a pas. Pas tant de dégâts que ça. Ah, la 3DS. Oh my god. Ah oui, on a plus la bombe, du coup on a plus de sous. Ah bah oui, il y a la sacoche pour les payer. Donc en fait, on a gagné les sous, on a survécu et on est devenu riche. Et j'imagine que on va avoir une petite scène d'amour avec nos deux héros, non? Allez, tu l'as sauvé, ça méritait bien une petite gâterie. Non? 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 Anti-gâterie ce jeu, d'accord, tranquille. Eh bien, c'est la fin de ce let's play de Jurassic Park apparemment. Il me semble que oui, parce que je n'ai pas souvenir qu'il y ait en fait d'autres... On appuie sur échappe, non. Et ben, en fait, il n'y a pas de suite, tout simplement. Donc, c'est la fin de ce let's play sur Jurassic Park. Alors, qu'est-ce que j'ai pu penser du jeu? Bah écoutez, un bon jeu pour suivre l'histoire. C'est vraiment... Ceux qui sont fans de Jurassic Park, vous voyez, ils vont bien aimer le jeu. Ils vont pouvoir vivre d'une autre manière le jeu. Bon, après... Il y en a qui aiment le principe du DQTE, il y en a qui aiment pas. Bon, c'est à voir. Allez, écoutez-moi cette musique. Enfin, je sais pas si avec mon micro qui grésille tout ça, vous pouvez vraiment l'écouter. Et juste cette musique. C'est donc les vraies musiques du film, alors. Tout simplement. Alors, par contre, ce que je comprends pas. Enfin, à la fois ce que je comprends et ce que je comprends pas, c'est que là par exemple on a la vraie musique du film, l'original. On a quelques noms, hein, Hammond et autres, bien qu'on n'a pas le professeur Grant et autres. Bon, ça à la limite c'est un petit détail. Mais moi il y a quand même un truc que je trouve dommage, c'est que ils avaient les logos, ils avaient les quelques personnages, les noms, tout ça, mais ils n'avaient pas les visages. Vous avez pu remarquer qu'à chaque fois qu'il y avait un autre protagoniste de la saga Jurassic Park, il n'avait pas le droit à son nom. Donc pourquoi? Pourquoi? Won't remember you. Performance be the leasing continuing. Ah, ça c'est de la musique.
Donc la vraie musique du film. Et ça je comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont pas poussé le concept un peu plus loin. Et justement qu'ils n'ont pas été chercher les droits d'auteur des visages par exemple. Ça aurait été superbe. On aurait pu voir Sarah, on aurait pu voir plein d'autres personnages. Ils auraient pu un petit peu plus diversifier quoi, parce que on a vu que des personnages fictifs du jeu en fait, tout simplement, et aucun autre personnage. Alors peut-être que c'était trop cher, hein. C'est possible aussi, parce que il y a eu quand même des petites inventions. D'ailleurs, ça va venir un petit peu au point faible du jeu selon moi, c'est que il y a des petites inventions. Je veux dire le coup des Vélociraptors, voilà quoi. Je veux dire c'est bizarre. C'est bizarre, et en plus le pire c'est que ils s'en sortent, en plus c'est le Velociraptor. Les Troodons c'est pareil, je savais pas qu'il y en avait à Jurassic Park, en tout cas c'était pas précisé. Bon, ça à la limite, voilà, il fallait trouver un truc un peu plus violent que le Velociraptor, mais bon, à part ça, à part le Velociraptor en lui-même, je vois pas ce qui est plus violent, tu vois. Le T-Rex qui nous suit partout, tu sais, le mec il a un GPS dans la tête. Il y en a qu'un T-Rex à Jurassic Park, hein. Il y a que sur l'autre site, hein, qui a du monde perdu, qu'en fait il y a plusieurs tyrannosaures parce qu'ils se reproduisent et tout. Mais là, clairement, il y en a qu'un, et le T-Rex, il arrive à te suivre où que tu vas, quoi. Où que tu vas, il sait que t'es là. Il arrive, il fait toi, je t'ai vu. Genre au port, on le retrouve, quoi. Je veux dire. Qu'est-ce qu'il fout là? De toute façon, les gros dinosaures, généralement, ils vont vers le centre de l'île. Ça, c'est un concept expliqué dans Jurassic Park 3. Pour essayer d'échapper aux spinosaures et donc, accessoirement, au T-Rex aussi, qui se fait dégommer. D'ailleurs, j'ai jamais aimé Jurassic Park 3 par le fait que le T-Rex se faisait tuer par un spinosaure. Bon, je veux bien qu'il soit plus gros, je veux bien que machin. Ouais, d'accord, ok, ça je veux bien. Mais d'abord, l'ennemi numéro 1, quand même, c'est les Vélociraptors et les T-Rex. Je veux dire, on change pas une formule qui gagne. Le Jurassic Park 3, moi je l'ai pas très bien accueilli à cause du spinosaure. Hein. Pas photo. Hein. Bref. Très beau mosasaure qui semble très petit en fait quand il est comme ça. Et même les Raptors dans Jurassic Park 3, je suis désolé, on les voit pas si souvent que ça. Quoi. Je veux dire, ouais, ils te poursuivent un peu. Bon, c'est tout quoi. Je veux dire. Rien de spécial quoi, c'est vraiment le spinosaure, c'est pareil, tu sais, il a la tête chercheuse, le machin il te suit partout quoi. Et au final, même dans le monde perdu, le T-Rex on le voit tout le temps. Et je trouve que c'est un peu ça qui gâche un peu les deux autres films, qui hein. Sont quand même des bons films finalement, mais ça vaut pas le 1. Le 1, vous voyez le T-Rex une fois, vous le voyez une deuxième fois parce que bah ils vont chercher les mecs là où il y a son enclos, et après vous le revoyez à la fin quasiment. Même si, vu qu'il est enfermé dans un enclos avec des barrières et qu'il se dirige vers les herbivores, il rencontre aussi une fois le professeur Grant, mais il s'attaque pas à lui, vous voyez. Alors que là, on a l'impression que les dinosaures sont un peu trop utilisés pour vous attaquer, quoi. Je veux dire, le mosasaure, il n'y en a rien à battre des poissons que vous avez lâchés, quoi. C'est vraiment focus les héros. Alors, vous allez me dire, ouais, mais d'un côté, s'il avait plutôt préféré les poissons, il n'y aurait pas eu toute la phase QTE avec le mosasaure, ça aurait été encore plus ennuyant, le jeu... Ouais, c'est vrai. Donc là, je sais pas trop comment on peut doser le jeu, en fait. Mais il devrait y avoir la possibilité de mieux le doser. Enfin, moi, je pense que c'est un point qu'ils auraient dû essayer d'améliorer. Donc on a donc le jeu en 4 épisodes. Hein. Donc les survivants, donc la fin. Les profondeurs qui se déroulent dans le laboratoire, avec les très beaux raptors, je les trouve super bien faits. Épisode 2, la cavalerie. Ah, un dilophosaure. Et l'épisode 1, l'intrus. D'accord, donc 4 épisodes. Bah écoutez, c'était Dedalucar qui vous a présenté ce let's play sur Jurassic Park, le jeu. Sorti en 2011 par Telltale Games. Que dire? Eh bah écoutez, moi je suis vraiment content d'avoir fait le jeu. Oh putain, il y a un journal et tout. Oh, c'est délire, hein. Il y a des bonus. Oh. Oh. Tiens, d'ailleurs, est-ce qu'il. Ouais, ah, ça c'est bien.
Les dilophosaures adultes, normalement, ils mesurent 6 mètres de long. Dans le troupeau, aucun n'a atteint cette taille. Je me demande même si le collerette et le fait qu'ils crachent ne sont pas dus à une erreur d'épissage. Il n'y a aucune preuve de ça dans le registre fossile. Malgré la petite taille, les dilophosaures sont tenaces. Une fois qu'ils vous ont choisi comme proie, ils ne vous lâchent plus. Il n'y a rien d'autre à faire que de prendre ses jambes sans coup. Oui, donc le dilophosaure, normalement, il est beaucoup plus grand. D'ailleurs, les raptors, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Techniquement, ils sont beaucoup plus petits. Hein. Les raptors ne sont pas de la taille d'un humain. Hein. Ils sont peut-être 3 fois plus gros que leur taille normale. Voilà. c'est ça. C'est normalement, vous voyez que leur taille, c'est plus des Deinonychus ou des Utahraptors. Voilà. Et regardez le Kang Doctor Who, lorsque nous avons abordé la question, mais il ne semble pas faire le lien entre son ADN de grenouille et cette incohérence. Politiquement parlant, s'il ne le fait pas, personne ne le fera. Bah oui, parce que normalement. Ouais, faut pas croire, hein, les raptors c'était pas si méchant, c'était très 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 intelligent, hein. C'était l'un c'était peut-être le plus intelligent des dinosaures, mais c'était pas, il faisait pas cette taille, ça ouais c'est vrai que c'est le Deinonychus, qui d'ailleurs lui ressemble énormément, hein, tout simplement. Bref, là je vais vraiment vous dire au revoir, parce que ça fait 53 minutes de vidéo, c'était vraiment juste pour vous montrer, parce qu'apparemment, regardez, il y a des bonus, c'est pas mal, scénario, on peut rejouer les scénarios pour obtenir les médailles, pourquoi pas, c'est pas mal, regardez moi là j'ai par exemple j'ai bronze voilà quoi, il y a des trucs, bon je sais pas si vous gagnez quelque chose à faire tout en or, j'imagine que oui hein. Alors, on peut voir que moi j'ai mon épisode préféré, ça reste celui des raptors, bizarrement, parce que c'est celui où je me sentais vraiment dans Jurassic Park, vous voyez, en plus les raptors sont super bien faits, donc franchement il n'y a pas photo. Et ben je vais faire un peu comme Ellie, je suis un peu déçu de la fin de ce jeu qui en fait se résume à coucou, tu veux voir ma bite avec le T-Rex quoi, et le méchant il est miam miam, et puis c'est tout quoi, je veux dire, après vous vous échappez, ouais. Il y a toujours cette incohérence aussi des bombardiers avec le feu purificateur, comme il disait. Ça ne s'est pas arrivé puisque. Fatigue. Ce n'est pas arrivé puisque dans Jurassic Park, le monde perdu, il me semble qu'ils disent que c'est une tempête qui a ravagé l'île, qui a tué la plupart des dinosaures, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais. Donc très content de vous présenter ce jeu, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, partager ou même vous abonner, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer des MP si vous avez des idées et autres, moi ça m'intéresse, je lis tout. Et puis peut-être que vous auriez la bonne idée du siècle et tout, que grâce à vous je deviendrai une guest star, yeah, on ne sait jamais. Et je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, donc c'est à plus.